Dieu. Je suis le frère Eyou Camille Nyamba Baudelaire Didier. J'ai professeur et disciple le pasteur des anges. Frère, j'aimerais dire merci au Seigneur qui a agi puissamment dans mon village et dans ma famille. Gloire à Dieu. Pendant le renversement des principautés de l'année dernière, j'ai rendu un témoignage ici de ce que le Seigneur Jésus avait renversé, a renversé la principauté qui régnait dans mon village. Alléluia. Dans un songe. Frère, après ce songe, de deux personnes dans ma famille, trois personnes dans mon village, en 2017, nous sommes devenus au nombre de 22 personnes. Frère, eux, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. L'année passée, j'étais assis là, le 14 septembre. Après une intense prière, j'ai reçu dans mon esprit que de continuer le renversement du principauté jusqu'à ce renversement du principauté personnel et familial de cette année. Pendant 21 jours, de prendre 21 jours. C'est-à-dire chaque mois, je fais 21 jours. Arrivé à la maison, j'ai partagé cela à mes frères. J'ai dit, ah, voilà ce que j'ai reçu du Seigneur. Ils ont dit, d'accord, comme c'est le Seigneur qui nous a dit, entrons. Frère, chaque mois, on prenait 21 jours. Avec les bulletins de prière. C'est-à-dire, l'année passée s'est passée en 20 jours ici. Et on a intercédé. Et on a intercédé, frère. Cette année, notre Seigneur Jésus a fait des merveilles. 2016-2017, on était 22 personnes qui ont donné leur vie à Jésus dans ma famille et dans mon village. Cette année, nous sommes au nombre de 40 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Après le témoignage de l'année dernière, j'ai proclamé qu'il y aura une assemblée dans mon village. Frère, cette année, le vendredi 13, parce que pendant ce moment de jeûne, le pasteur Mathieu, avec les évangélistes de la famille Camille, allait prêcher l'évangile dans mon village. Et le vendredi 13, pendant qu'on était en train de prier, le pasteur Mathieu nous a appelés. Il nous a donné les dates où nous devons aller implanter l'assemblée à Nigisaf. Il a dit le 17, le 18 et le 19, on va à Nigisaf pour l'implantation d'une assemblée. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus ne s'est pas arrêté là. Frère, il y avait une chose qui était difficile dans ma famille. Le mariage. Frère, et cette année, le Seigneur Jésus nous a bénis avec trois dots dans ma famille. J'aimerais être infiniment reconnaissant au Seigneur de ce qu'il a fait de nous, des sacrificateurs de notre famille. Que l'honneur, la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Révérend Kwame. Je me nomme Révérend Kwame. Je faisais des disciples la sœur Antoinette Yabo. J'adore l'Assemblée 15, Makori. Dieu m'a guéri et il m'a béni. Je suis guéri parce que j'avais des problèmes de poumons, une infection pulmonaire. J'ai parcouru beaucoup d'hôpitaux. Je suis allé dans des églises. Mais il y a des églises où on me mettait banderole au bras en disant que je serais guéri. Et un ami m'a dit, il faut aller à la CFCI. Je suis venu à la CFCI, ça fait un mois, 22 jours. Comment le Seigneur m'a guéri? En songe, mon nom a été changé. Ils ont ajouté un caractère à chaque nom. À chaque nom. Parce que mon nom, c'est Aoutou Kwame Livergo. Deuxième songe, il y avait un tuyau qui sortait dans ma bouche qui était noir. Plus de 10 mètres. Et j'ai expliqué à mon faisait des disciples.
Je m'en vais, il me dit, bon, il faut aller à l'hôpital pour faire l'examen. Je vais, premier examen, le docteur me dit que l'eau n'est plus dans les poumons. Que l'eau est en dehors des poumons. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puisque j'ai parcouru les marabouts, même les vaudous ont dansé sur moi. Et comment la septième série, cela se passe? Deuxième, je suis allé faire deuxième examen, la semaine dernière. On m'a mis sur un traitement de 6 mois. J'ai dit, Seigneur, moi je ne vais pas prendre comprimé. Je suis fait pour prendre comprimé. Je m'avais fait l'examen avant-hier. On me dit, il n'y a plus d'infection dans mes poumons. Il n'y a plus d'infection. Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour ça. Compte tenu de la maladie, mon patron me dit de quitter, je suis assistant d'un directeur d'une société. Et il veut me renvoyer parce que je suis malade. Et quand après que je suis guéri, je lui dis que je suis guéri, il me dit quitte la maison de la fonction qu'on t'a donnée, qu'un chauffeur va me remplacer. Il dit bon, j'ai confié à mon église, à mon faisait des disciples. Il me dit prions. J'ai commencé à prier. J'ai trouvé une maison, on me dit, caution 120 000. Or, je vivais dans une villa. Je dis, mais comment 120 000? Je m'avais payé les 120 000, on me dit 140 000. Je m'avais payé les 140 000, on dit 200 000. Je paye les 200 000, on dit 300 000. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je ne cherche plus maison. Un professeur, comme je suis dans l'enseignement supérieur, un professeur vient vers moi et dit, je te donne ma maison, tu ne payes pas caution. Un autre parent de là vient, me dit, mais tu as rendu service à mes enfants. Tu as rendu service à mes enfants. Je te donne ma maison. Va dormir là-bas, tu ne payes pas caution. Mon directeur me dit, mais dans la société, il y a une chambre ici. Pourquoi tu as fait tout ça là? Viens dormir ici pendant le nombre de mois que tu veux. Je remercie Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour moi. Je dis merci à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu as un démon en toi, if there's a demon in you, il doit partir ce soir. Must go this evening. S'il est caché, if it is hidden, il est exposé. He's exposed. Les démons aiment la cachette. Demons like hiding places. Jésus les a exposés. Jesus exposed them. Un spectacle. In a spectacle. Si c'est un démon qui provoque, qui produit ton mauvais caractère. If it's a demon that produces bad character. Ta colère. Anger. Il doit partir ce soir. It must go this evening. Si c'est un démon qui provoque ta lâcheté. If it's a demon that provokes cowardice, il doit partir ce soir. It must go this evening. Si c'est un esprit de mort, it's a spirit of death qui crée tous ces accidents autour de toi, which creates all these accidents around you, en attendant le jour où il va te surprendre, waiting for the day to surprise il you, il doit partir ce soir. It must go this evening. Il n'y aura pas de secours. There will be no rescue. Il n'y aura pas de renfort. There will be no reinforcement. Si c'est un démon qui t'inspire de fausses doctrines, if it's a demon that inspires false doctrines in il you, doit partir ce he soir. Must go this evening. Lis pour nous Colossiens chapitre 2 verset 9. Read for us Colossians chapter 2 from verse 9 to 15. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts.
vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Quand on dit domination, when they say dominions, on veut dire principauté. Means principalities. On veut dire dignité. Means dignities. On veut dire trône. Means thrones. Tous ces esprits qui occupent des postes d'autorité. All these spirits that occupy positions of authority. Qui opposent une résistance à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Which bring a resistance to the work of God in your life. Qui veulent te garder sous leur emprise. Which wants to keep you Jésus under les a exposés en spectacle. Jesus exposed them in a public spectacle. Il les a vaincus à la croix. He overcame them on the cross. Et il nous a rendus à la vie. And he gave us life. Il agissait pour nous. He was acting for us. Contre le diable et son armée. Against the devil and his army. Il donne la vie ici. He gives life here. Il donne la désolation, la mort de l'autre côté. And he gives desolation and death on the other side. C'est un jugement que tu dois connaître. It's a judgment that you must know. Quand tu ne connais pas, le démon va te résister. When you don't know it, demons will resist you. Parce qu'il est menteur. Because he's a liar. Il n'est plus fort. Jésus l'a écrasé. He's no longer powerful. Jesus has crushed him. Jésus l'a il ne doit pas se cacher en toi. Il est exposé déjà. He must not hide himself in you. He has already been exposed. Il doit partir. He must go. Et tu resteras libre. And you will be free. Et c'est celui qui produit tes cauchemars. He's the one who produces nightmares. Il va partir. He will go away. Et tu auras des nuits calmes. And you have calm nights. Qui croit à cet évangile? Who believes in this gospel? Jésus Christ. Jesus Christ. Tu as une seule arme, son nom. You have only one weapon, his name. Son nom. His name. Tu ne vas pas former un coup de poing pour boxer le diable. You don't have yourself to go and punch the devil. Tu vas parler. You will speak. Tu dis au nom de Jésus. You say in the name of Jesus. Démon. Quitte ma vie. Leave my life. Il est écrit que Jésus nous a rendus à la vie. He said that Jesus gave us life. Nous étions morts. We were dead. Par nos péchés. By our sins. Mais il nous a pardonné. And he forgave us. Et il nous a lavé. He washed us. Il nous a purifié. He purified us. Il nous a justifié. He justified us. Aucun démon ne doit t'accuser. No demon must accuse you. Aucun démon ne doit t'accuser. No demon must accuse you. Jésus a payé le prix. Jesus has paid the price. Il est dit, il a payé le prix par son sang précieux. He says that he paid the price par through son his sang precious précieux. Blood. By his precious blood. Il n'a pas donné l'argent. He did not give money. Quelqu'un peut rembourser une grande somme. Someone must reimburse a ransom. Mais ce que Jésus a fait. But what Jesus did, même si tu rassembles l'argent du monde, even if you take all of the money of the world and put together, tu ne peux pas payer ça. You cannot pay for it. Le sang précieux. The precious blood. En dehors du sang de Jésus, il n'y en a point d'autre. Apart from the blood of Jesus, there is no other. Un sang sans tache. A blood without spot. Tous les hommes que vous voyez sur la terre sont des pécheurs. All men that you see on earth are sinners. Misérables. Miserable. Tous les animaux sont impurs. All animals are impure. Mais le sang de Jésus. But the blood of Jesus est pur. Is pure. Quand Dieu le voit, when you see, il te pardonne. He forgives you. Quand Dieu le voit, when God sees it, sa colère finit. His anger vanishes. Mais les démons n'ont pas ce sang sur eux. But the demons don't have this blood on them. Mais toi, tu as le sang de Jésus. You have the blood of Jesus. Donc, tu utilises son nom. You use his name. Tu chasses le démon. And you cast out demons. Quand on va dire amen, when we say amen, tu seras libre. You will be free. Dis Satan, tu as menti. Say Satan, you have lied. Tu ne te cacheras pas. You will not hide.
Tu ne te cacheras pas. You will not hide. D'esprit impur. C'est un pur esprit. Jésus t'a exposé ainsi. Jesus has exposed you. Jésus a triomphé de toi à la croix. Jesus triumphed over you on the cross. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? What are you doing in my life? Va-t'en. God. Sors et va-t'en. God. Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? What are you doing in my life? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? What are you doing in my life? Va-t'en, je t'ordonne. Out of my life. Continue à prier. Continue to pray. Manifeste-toi, va-t'en. Esprit impur, manifeste-toi et va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Continue à prier. Continue to pray. Tiens-toi debout. Stand up, please. Tiens-toi debout. Stand pose, up, please. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Dis, démon. Dis, démon. Tu ne te cacheras point. You will not hide yourself. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Va-t'en. Out. Je te brise. I break you. Je brise ta résistance. I break your resistance. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Out in the name of Jesus. Esprit méchant derrière la maladie. Wicked spirits behind sicknesses. Esprit méchant derrière les maladies. Wicked spirits behind sicknesses. Esprit méchant derrière les maladies. Wicked spirits behind sicknesses. T'expose. Je te chasse. I chase you out. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Out in the name of Jesus. Continuons à prier. Continue to pray. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je te chasse. I cast you out. Avec ta maladie. With your sickness. Je te chasse. I cast you out. Avec tes infirmités. With your infirmities. Je te chasse. I cast you out. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Out in the name of Jesus. Continue à prier. Soyez concentrés sur l'esprit. Continue to pray and be concentrated on the sickness. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tout esprit impur. Every unclean spirit. Derrière l'immoralité sexuelle. Behind sexual immorality. Je te chasse. I cast you out. Va-t'en. Out. Continue à prier. Continue to pray. Des esprits impurs. C'est un Christ spirit. Derrière la masturbation. Behind masturbation. Je te chasse. I cast you out. Tu es exposé. You are exposed. Va-t'en. Out. Dit esprit impur. C'est un clean spirit. Derrière toute forme de stérilité. Behind all forms of sterility. Esprit impur. Unclean spirit. Derrière la stérilité. Behind barrenness. Tu es jugé. We are judged. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Cast you out in the name of Jesus. Dit au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous sémons la zizanie. We saw dissension dans le camp de Satan. In the camp of Satan. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tout ce qui est caché. All that is hidden. Doit être exposé. Must be exposed. Esprit impur. Unclean spirit. Je t'expose. I expose you. Au jugement de Dieu. To the judgment of God. Tu n'échapperas pas. You will not escape. Tu n'échapperas pas. You will not escape. Je t'expose. I expose you. En spectacle. To the spectacle. Va-t'en. Out. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Dieu esprit impur. C'est un clean spirit. Derrière la pauvreté. Behind poverty. La pauvreté. Poverty. Les dettes.
la pauvreté, poverty, les dettes, debts, la mendicité. And begging, je te chasse. Cast you out. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je brise ta résistance. You break your resistance. Va-t'en. Out. Et ne reviens plus. And don't come back. Dis va-t'en, va-t'en, va-t'en. Out, out, go away, go out. Va-t'en, va-t'en. Out, go out. Va-t'en, va-t'en. Out. Ora bakatsa, ora bakaka. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go out, go out. Va-t'en, va-t'en. Go out, go out. Asseyez-vous, vous gardez le calme. Sit down and be quiet. Vous restez concentré parce que le Seigneur est en train de travailler. Remain concentrated because the Lord is working. Tout ce que Dieu n'a pas semé doit être arraché. Everything that God has not sowed must be uprooted. Si tu dois vomir, vomis sur place, ne sors pas. Le démon va te tromper. If you must vomit, vomit on the spot, don't go out. Si tu dis va te mettre à l'aise et tu reviens, ne va pas. The demons want to deceive you. They will say go and ease yourself and come back. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je brise ta résistance. We break your resistance. Va-t'en vite. Go out quickly. Toute plante que Dieu n'a pas plantée doit être déracinée. Every plant that God has not planted must be uprooted. Je brise ta résistance. Break your resistance. 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 Je détruis ton orgueil. Break je détruis ton orgueil. Va-t'en. Out. Et ne reviens plus. And never come back. Va-t'en. Out. Va-t'en. Go out. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. God, au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Ora bakashara gabagashur gabagashara gabagashara gabaga. Shara gabagashara gabagashara gabagashur gabagashara gabaga. Je brise ta résistance. Break your resistance. 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 Ora gabaga jora gabaga hora gabaga jora baka. Ora gabaga jora baka gabaga jora baka. Ora jora baka gabaga jora baka. Je brise ta résistance. Break your resistance. Je brise ta résistance. Break your resistance. Je brise ta résistance. Break your resistance. Va-t'en. Out. Et ne reviens plus. And don't come back. Et ne reviens plus. And never come back. Et ne reviens plus. Never come back. Ne reviens plus. Never come back. Ne reviens plus. Never come back. Pour absorber. Quel que soit ton nom, whatever your name is, si tu t'appelles méchant esprit, if you are called an evil spirit, quel que soit ton rôle, whatever be your role, quel que soit ta mission, whatever be your mission, je juge ta mission, I judge your mission, j'écrase ta mission, I crush your mission, je mets fin à ta mission, I put an end to your mission, je mets fin à ta mission, I put an end to your mission, je t'ordonne, I command, va-t'en, out, Jésus Christ. Jesus Christ a exposé, has exposed, les principautés, principalities, et les dominations, and dominions. Jésus Christ, Jesus Christ, les a livrés en spectacle, giving them to public et la triomphe d'elle, and triumph over them, par la croix, by the cross. Jésus Christ, Jesus Christ, Jésus Christ, Jesus Christ, Jésus Christ, Jesus Christ, Jésus Christ, Jesus Christ. Je sème la zizanie totale, I saw total dans le camp du diable, in the camp of the enemy, une zizanie. Dissension. Un désordre. Total disorder. Dans le camp de Satan. In the camp of Satan. Nous nous levons contre tous les démons. Tous les démons behind celibacy. Tous les démons. Every demon. Derrière le célibat. Behind celibacy. Tous les esprits. Every spirit. Les esprits humains. Human spirits. Les esprits impurs. Impure spirits. Les puissances sataniques. Satanic powers. Je vous chasse. We cast you out. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Je vous renverse.
We overthrow you. Je brise vos trônes. We break your thrones. Je brise les trônes. We break thrones. Je renverse les dignités. I overthrow dignity. Je disperse les dominations. I disperse dominations. Je proclame. I proclaim la victoire de Jésus. The victory of Jesus. Le triomphe de Jésus. The triumph of Jesus. Le triomphe de Jésus. The triumph of Jesus. Et le triomphe de l'Église. And the triumph of the church. Esprit méchant. Weaker spirits. Manifeste-toi et va-t'en. Manifeste yourself and go. Tu ne te cacheras pas dans ce corps. You will not hide in this body. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je t'expulse. We expose you. Je te chasse. We cast you out. Arabaka shekel la colère de Dieu. Kederibaka shaka arabaka. Kederibaka shika arabaka. Tous les esprits des eaux. Every spirit from the waters. Tous les esprits des eaux. Every spirit from the waters. Pour tous esprits des eaux. To every spirit of je vous chasse. We cast you out. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Vous n'avez pas de demeure dans cette salle. You don't have a dwelling place in this hall. Vous n'avez pas de demeure dans cette salle. You have a dwelling place in this hall. Esprit des eaux. Spirit from the waters. Esprit des eaux. Spirit from the waters. Je vous chasse. We cast you out. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Toi esprit impur, you unclean spirit, qui vient de forêts sacrées, which comes from sacred forests. Toi qui viens de forêts sacrées, you come from sacred forests. Je te chasse au nom de Jésus Christ. I cast you out in the name of Jesus. D'avoir le feu dans la forêt. We put the fire in the forest. D'avoir le feu dans la forêt. Put fire in the forest. Et chasse, va-t'en. We cast you out, go away. Va-t'en. Go away. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Dis Satan. C'est Satan. Jésus t'a vaincu. Jesus has overcome you. Il t'a exposé en spectacle. He has exposed his public spectacle. Mon corps lui appartient. My body belongs to him. Dis mon corps appartient à Jésus. Say my body belongs to Jesus. Mon âme appartient à Jésus. My soul belongs to Jesus. Mon esprit appartient à Jésus. My spirit belongs to Jesus. Je suis le temple du Saint-Esprit. I am the temple of the Holy Spirit. Que tout esprit est pur. May every unclean spirit qui se serait caché en moi. Who might be hidden in me? Sorte maintenant même. Go out right now. Et s'en aille. And go away. Et ne revienne plus jamais. And never come back. Et ne revienne plus jamais. And never come back. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Esprit méchant. Wicked spirit. Qui vient du vaudou. Which comes from vaudou. Esprit méchant. Wicked spirit. Qui vient du vaudou. Which comes from vaudou. Je te chasse. I cast you out. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Va-t'en et ne reviens plus. Go out and never come back. Gardez le calme. Let's be quiet. Le Seigneur est toujours à l'œuvre. Gardez le calme. The Lord is still at work. Just be quiet. Si Dieu te révèle un obstacle, tu l'enlèves tout de suite. If God reveals an obstacle to you, you take it out immediately. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Tout esprit qui vient de l'adoration des eaux. Every spirit that comes from the worship of the waters. Tu es juste. You are just. Tout démon. Every demon. Tout esprit. Every spirit. Tout esprit. Every spirit. Toute puissance satanique. Every satanic spirit. Je te juge. I judge you. Va-t'en maintenant. Go out now. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Le feu de Dieu dans les eaux. The fire of God le feu de Dieu sous les eaux. The fire of God upon le the waters. Feu de Dieu dans les forêts. The fire of God in the forest. Feu de Dieu dans les montagnes. The fire of God le feu in the de Dieu dans les collines. The fire of God on the hills. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Esprit est pur. Unclean spirit. Va-t'en au nom de Jésus. In the name of Jesus. Qui a des vertiges?
who was having blackouts. Prenez-la, allez commander que tous ceux qui ont des vertiges signalent, parce que tu ne dois pas rentrer à la maison avec quelqu'un qui veut sortir mais qui ne sort pas. All those who are having blackouts should indicate for you to receive ministry, because you must not go home with somebody who wants to go out and then who does not want to go out. Qui a un témoignage? Who has a testimony? Du combat qu'on vient de mener. Of the battle that we just carried out. Oui, venez. Yes, come. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Fallon. Je rends gloire au Seigneur qui m'a délivrée de plusieurs démons pendant que nous étions en train de prier. Il faut dire que avant que nous commençons même la prière, je sentais comme des épées dans mon dos, comme j'étais attaquée. Et quand nous avons commencé la prière, il y a des démons qui sont sortis de moi. Je voyais comme dans une vision. Et il y a un qui me disait, c'est ton grand-père qui t'a donné à moi. Et je lui ai dit, au nom de Jésus, j'appartiens maintenant à Jésus. Et il est parti. Il y a un autre qui est venu. Il dit, tu as été livré, toi et tes futurs enfants. J'ai ton mariage, j'ai tout. Et j'ai dit, au nom de Jésus, tu déposes tout ça et tu pars. Et c'était comme un gros piton. Et il est parti. Et ensuite, il y a des petits pitons qui sont commencés à sortir. C'est comme dans la vision, je vomissais ces pitons. Et j'ai vu que le Seigneur m'avait libéré. J'aimerais toute la gloire au Seigneur pour cette délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Pendant qu'on priait pour que les pitons sortent, je vois beaucoup de serpents qui sortaient par là. Et il y avait deux anges qui étaient postés là. Un ici. Et ils avaient chacun une épée à la main. Et au fur et à mesure, ils découpaient, ils tranchaient les serpents. Et il y avait une barre de sang au dehors là-bas. Amen. J'aimerais dire merci au Seigneur parce qu'il nous a exaucés. Pendant que nous étions en train de prier, je voyais des esprits tout noirs qui couraient, qui sortaient de la salle. Et il y avait assez de pygmées qui bouchaient et qui couraient. Et arrivés au niveau d'ici, le Seigneur a ouvert le temple et le mur s'est ouvert. Et il y avait assez de puits dans lesquels les pygmées tombaient. Que le nom de Seigneur soit béni. Amen. Tout à l'heure, quand on était en train de prier, le leader a dit de garder un moment de silence. Frère, quand j'étais assis tranquille, je voyais de la fumée parcourir dans les rangées. Ça passait vite, ça touche chaque frère. Ça touchait chaque frère. Dès que ça te touche, tu te redresses. Dès que ça te touche, tu te redresses. Dès que ça te touche, tu te réveilles. Dès que ça te touche, tu te réveilles. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Je suis la sœur Tapé Elodie. Et mon frère de disciples, c'est le pasteur Nguessan Mathieu. Et j'avais une infirmité familiale, un terrible mal de dos que mon père avait eu et que moi aussi j'avais depuis 2009. Et tout à l'heure, pendant la prière, et j'ai jugé cela, quand on demandait de prier pour les maladies, j'ai imposé ma main, j'ai prié. Et il y a eu un moment de silence. Et le pasteur a dit qu'il y avait encore des résistances. Et c'est pendant qu'on était en train de prier pour les résistances que j'ai vu un esprit sortir. Amen. Amen. Et j'ai eu le temps de le représenter. Je fermais les yeux, mais je le voyais en train de partir. Et je voulais représenter forcément ce que je voyais. Il était triste. Il était vilain. Mince. Courbé. Comme un vieillard avec beaucoup de cheveux sur la tête. Et je voyais qu'il partait. Il sautait. Et je comprenais pourquoi est-ce que quand j'avais mal au dos, je m'abaissais. Parce que c'était fou de vieillard venait de sortir de moi. Je veux rendre toute la gloire pour Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Mon nom c'est Enfoga Pascal. Tout à l'heure, le Seigneur m'a délivré de ce pied. Parce que ce matin, quand j'étais à l'adoration, c'est comme si quelque chose est dedans, ça me pique, mais ça me ronge. Quand je suis venu aussi ce soir, c'est la même chose. Je ne peux pas le mettre à terre, ni le mettre en haut. Mais je le supporte comme ça, mais dès que ils ont fini le témoignage. Et puis, le pasteur a dit de se lever, on va adorer le Seigneur.
Dès que je me suis levé net, c'est disparu. Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Moi, c'est Mademoiselle Nyamba Regina. Je suis arrivée ce soir ici. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Et j'ai traîné ces choses pendant longtemps. Et c'est le nom de mon homonyme qui me suivait. Tout à l'heure, quand papa a dit, papa Mia a dit, c'est, et tout esprit qui résiste encore, qui quitte, qui sort, je vous assure, je me suis retrouvée dans le rocher de mon village paternel. Et j'ai vu mon homonyme qui est décédé, qui allait donner banane à des gorilles. Elle a dit que la banane qu'elle donnait aux gorilles, c'est pour que j'aie la colère. Que je donne mon homonyme, partout elle sera coloreuse. Mais tout à l'heure, j'ai vomi, vomi. Et il y a quelqu'un qui s'est mis en blanc, qui a mis sa main derrière mon dos, dit vomi ma fille, c'est à la bonne place. Vomi, 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 et j'ai vomi. Je rends gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur. Let's bless the Lord. Amen. 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 Je vais vous dire une vérité. I would like to tell you the truth. Les démons qui partent sans crier sont nombreux. The demons that go out without shouting are numerous. Ceux qui ont le discernement spirituel. Those who have spiritual discernment peuvent aussi sentir dans leur esprit que y a eu la débandade. Can feel it in their spirit that they have been independent. Parce que quand on priait, je sentais, c'est comme si le diable essayait de constituer un petit regroupement. Because when we are praying, it's like the devil is trying to make to regroup. C'est pour cette raison que j'ai conduit les frères à dire nous sémons la zizanie. C'est à ce moment-là que le royaume est tombé. That is why I led the brethren to pray to create dissension. And that is when things were scattered. C'est là où les pygmées allaient en bouchant les oreilles. And that's why that's when pygmies were going out closing their ears. Tu saisis ta délivrance. You lay hold of your deliverance. Tu n'as pas besoin d'avoir aussi les visions. Chacun a son don. You don't need to also have visions. Everyone has his gift. Mais si ça t'intéresse, demande à Dieu. But if it interests you, ask God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a eu beaucoup de démons qui sont partis à débandade. Many demons who went out, running away.